Bien sûr. Bien sûr. On ne porte rien dangereux. Un réchaud pour faire des boissons chaudes. C'est vrai. Donc, c'est pas des boissons chaudes. Non. Bienvenue pour cette semaine. C'est fait pour réchauffer les cœurs surtout. Alors voici une tente. Salut à toi. Il n'y a pas de souci, j'avais l'habitude, c'était comme ça la dernière fois. Je crois qu'on peut continuer la soirée, ça a commencé même. Et j'ai le plaisir d'annoncer ici ce soir pour vous, pour nous, pour Cannes. Béton, plus de héros.
bonne route. Ah, là, suite. Là, hein. Prêt, là. Ah, toujours toi. Yes. Les spéciales du café, quoi. Des boissons chaudes. Il y a aussi tout ce qui ne se voit pas. On est très joueurs dans le Tarn, je pense que vous le savez, donc on vous propose un petit jeu. Le petit jeu, c'est d'aller sur un chantier avec une voiture banale et de chronométrer le temps qu'il faut avant qu'il y ait une autre voiture banale, banalisée, qui vienne et quelqu'un qui sorte, une personne banale, sans doute un homme de 50 ans, les cheveux courts, moi en plus vieux, qui vienne vous parler. Ah, vous aussi, vous regardez les chantiers, etc. 5 minutes top chrono. Et je parie, voilà, en 5 minutes, vous aurez quelqu'un. Jouez à ce petit jeu-là et ce sera bien sympa. Et simplement rappeler, ouais, que bon, la garde à vue, c'est, normalement, c'est censé être une mesure de protection, de sécurité pour pas qu'on puisse refaire un délit ou juste le temps de l'enquête. Quand on a des gens qui sont dans les arbres, qui donnent leur identité, en termes de sécurité d'enquête, on est sur zéro, quoi. En plus, ça fait un mois et demi qu'ils sont dans les arbres, donc ils sont parfaitement identifiés, tout est à visage découvert. Le contrôle judiciaire, il est là pour éviter que la personne elle parte à l'autre bout du monde et qu'elle fuit son procès. On est vraiment sur l'intimidation, mais ça, je vous l'apprends pas. On commence presque à s'habituer à ça, et je nous mets en garde justement de cette accoutumance à cette violence d'État. Et on peut prendre une toute dernière question, il est 11h-3 et on va devoir aller faire des trucs plus joyeux là-bas. Et bonjour, Maxime pour le média L'Outre-Poutre. Est-ce que vous auriez un message à faire passer pour les jeunes qui s'inquiètent de l'état du monde dans lequel ils vont grandir et pour les générations futures qui n'auront pas le choix du monde dans lequel ils vont grandir ? Je parle en tant que jeune, du coup, et je m'adresse aux autres jeunes. Le message que j'ai à leur faire passer, c'est que déjà, il faut se mobiliser. C'est pas une fatalité ce qui nous arrive, on peut encore faire changer les choses. Et pour ça, il faut se mobiliser, mais je veux aussi qu'on arrête de les culpabiliser toutes les 5 minutes en leur disant de se bouger le cul. Je parle crûment, mais c'est un peu ce qu'on nous dit toutes les 5 minutes. Il n'y a pas que les jeunes qui doivent se mobiliser, il y a tout le monde. Et il y a notamment nos aînés qui doivent se mobiliser. On ne peut pas agir sans vous. Mais du coup, s'il faut que je m'adresse aux jeunes, je leur envoie surtout beaucoup d'amour. Parce que je sais à quel point c'est difficile de grandir dans ce monde. Les crises de panique, tout ça, je connais. L'éco-anxiété, qui est en fait juste une réponse normale à ce qui est en train de se passer. On connaît et faut qu'on se soutienne. Il faut qu'on s'envoie plein d'amour. Et il faut aussi que les autres générations viennent nous aider et qui nous soutiennent plutôt que de nous dire de nous bouger et juste en fait qu'on soit tous ensemble parce que c'est cet avenir, il n'y a pas que les jeunes qui y font face. Moi j'y pense souvent, mais je babysite un petit qui a 6 ans aujourd'hui. En 2030 ce sera un pré-ado. Ça me brise le cœur quand je pense à ce à quoi il va faire face. Enfin, il va jamais avoir l'avenir que j'ai pu imaginer, que je n'aurais pas, mais lui il peut même pas l'imaginer. Les canicules tous les étés, il va les vivre de plein fouet. Là, c'est encore un enfant, il les vit déjà. Donc voilà, j'ai énormément d'empathie pour toute la jeunesse d'aujourd'hui et je pleure pour nous, en fait, assez régulièrement. Et voilà, envoyons-nous de l'amour, de l'empathie et aidez-nous, mobilisons-nous tous. Et en fait, on peut changer encore le cours des choses. C'est pas fini, c'est pas une fatalité. On peut gagner, on peut stopper. Cette machine, ouais, cette folie à laquelle il nous condamne. On peut stopper, c'est pas fini.
Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Non, les gars. Ouais. Aujourd'hui encore, la tempête qui va passer, et dans ma main, je vous blase, on va bientôt recommencer. Hop là. Allez, bonne route. Aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore. Les Darmanin n'est pas passé. On va bientôt recommencer. Aujourd'hui encore. Allez, on y va, on arrive sur la magnifique nationale. Ouais. Parce que les autoroutes, c'est nul. Ça pue du cul. La voie est libre. Ils ont dégagé. J'ai l'impression de ne pas les voir. Oh, désolé les gars. À droite, c'est parti. J'appelle Geoffrey de La Voix est libre, l'association du Point. Monde. Et on va enfoncer un gros coin dans leur fissure pour faire péter leur monde. Ça m'arrive d'avoir cette victoire, une victoire emblématique. Derrière ce moratoire qu'on demande avec la déroute des routes, on l'aura. Mais il faut un rapport de force, un rapport de force à la hauteur du passage en force qu'on en fasse. Il faut faire péter leur monde avant qu'ils fassent péter le nôtre. Notre monde, c'est le monde du vivant. Ouais. À qui on impose un projet d'autoroute dont personne ne veut. On nous dit ce sera cette autoroute ou rien, sans projet de territoire, rien. La Voie libre, c'est un collectif d'habitants à qui on impose des centrales à Goudron, à proximité des écoles. La Voie libre, c'est un collectif qui réfléchit à des alternatives à un vrai projet de territoire, une autre voie. On écoute les scientifiques, on propose des choses. Il y a toute une jeunesse qui est désespérée, qui est inventive, qui propose. Et en face, on nous chie dessus. Et on parle des armes. C'est une guerre psychologique ici qui se joue. Puisqu'en face, ils veulent nous faire croire que ce projet, il est énormément avancé. On veut nous faire croire qu'en 6 mois, 34% du chantier est fait.
que dalle. Ce chantier, il est tout au plus à 10%, mais quand bien même il sera à 90%, derrière c'est des milliers d'hectares qui seront artificialisés si cette autoroute voit le jour. Donc, on ne lâchera jamais. Parce que finalement, c'est plus simple. On nous a laissé croire qu'il suffisait de voter pour être entendu. On nous a laissé croire qu'il suffisait d'avoir 90 000 signatures sur une pétition pour être entendu. On nous a laissé croire qu'avec 2000 scientifiques qui signent au tribunal pour ce projet, on sera entendu. On nous a laissé croire que quand on était 8000 en avril, on sera entendu. On ne nous écoute pas, on ne nous écoutera pas tant qu'on ne sera pas inventif tous ensemble pour enfoncer ce coin dans cette faille. Alors on va tout défoncer. Ouais. Ce soir, en exclusivité dans ce champ de la crémade, Youpi, la noise joyeuse. Thank you.
Bon, j'écoute, Slender. Chacun avait sa couleur, celui-ci c'est le rouge. Il est entré en bout de course dans une cimenterie, la cimenterie Carayon, qui se trouve aux alentours de Seix. Et plusieurs militants se sont rués alors sur trois camions à benne jaune contre lesquels ils ont d'abord jeté des pierres, puis l'un des militants a versé un liquide inflammable. Et à l'heure qu'il est, il y a un très gros balai. Bah, le campement était un tout petit peu plus proche, à dire vrai. Mais oui, au moins 5-6 km là pour le moment. Juste pour faire attention à la voiture. Ouais, mais je crois qu'il... Ouais, je sais pas si elle a été coupée, cette fois ou pas encore. Allez, vous voulez une goutte de café? Je peux pas vous dire. Ça marche, vous voulez une goutte de café? Non, non, merci, vraiment, ça va, merci. Ça marche, bonne journée. Pas facile quand il y a 10 militants pour 75. On
69, des loups, blessures, une blessure, pas de 69. A 69 ne passera pas, sauf qu'on est fâché, A 69 ne passera pas, projet dépassé, A 69 ne passera pas, cœur pour nous nasser, A 69 ne passera pas, on va rien lâcher, nouvelle soupe pour vous tour, nous cul, nous on fait pas sur place, vous proposer d'accueillir des personnes de scientifiques en rébellion qui ont soutenu beaucoup, beaucoup ces dernières semaines et on est super contents. Merci beaucoup. La consommation d'énergie fossile en France, elle ne baisse pas du tout au rythme auquel on s'est engagé. Et tenir ces engagements, littéralement, c'est vital. Le premier levier sur lequel on peut agir et on doit agir maintenant, c'est justement le secteur des transports. Alors construire ces nouvelles autoroutes, c'est un non-sens complet sur tous les plans. Non seulement le gouvernement, il n'en fait pas du tout assez,
pour promouvoir des modes de déplacement alternatifs, mais il continue encore et toujours à alimenter, à encourager un mode de vie qui est basé sur la vitesse, sur l'hyperconsommation des ressources. Ce mode de vie, aujourd'hui, il n'y a aucune ambiguïté. Il est condamné par la rationalité scientifique, mais aussi démocratique et surtout éthique. La drogue de la vitesse n'a pas à être prioritaire face au droit à la vie. Bravo. Si vous saviez comme on serait heureux de pouvoir venir un matin comme celui-là vous dire « on s'est trouvé, on est désolé, on a un peu exagéré, en fait c'est pas si grave, on va s'en sortir, continuer à dormir tranquille. » Mais malheureusement les faits scientifiques sont têtus et l'urgence écologique elle se fait chaque jour plus concrète. Que ce soit les glaciologues, les spécialistes des forêts, ceux qui observent les écosystèmes, ils sont même effarés par la vitesse des changements que nous avons déjà. Et tout cela, n'en déplaise à certains, tout cela c'est bien le monde réel. Alors dans le contexte de l'A69, autant vous dire que tout est absurde. Et dans le... Je vais finir rapidement pour vous dire que dans les laboratoires, comme dans la société, on est de plus en plus nombreux à refuser de continuer à être complices de ça. Nous, les scientifiques, en rébellion, on a lancé une pétition qui, en quelques jours, a obtenu la signature de plus de 2000 scientifiques dans toute la France. C'est historique, c'est énorme, ça n'a jamais été vu dans un contexte pareil. Et ça confirme une chose très simple, c'est que ce projet, il est injuste, il est inutile. Et il prolonge un modèle de développement qui est périmé. Voilà, je termine maintenant. Merci à tous. Le Macadam, ni entre Toulouse et Castres, ni ailleurs en France, parce que des projets comme ça, il y en a partout. Ils vont combattre partout où vous êtes. Merci. Ça va aller, mec? Ouais, ça va. Est-ce que t'auras un mouchoir? Ouais, attends. Merci. Attends, Dico, 2 minutes. Allez, on se pète, on se pète. Tiens mec, je fais que ça. Bon bah c'est pas grave, merci beaucoup. Vas-y, plus courage. Ils sont venus avec eux. Attention, attention, attention. Y'a le feu! Y'a le feu! Y'a le feu! Vite, 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 vite! Bien joué, bien joué! Ben voilà, félicitations! Lacrymo! Mais vous êtes trop con! Cette bande de merde! Bon, allez, on se casse, on les laisse. Oh, vous foutez le feu! Vous foutez le feu! Vous mettez le feu! Vous êtes en train de foutre le feu! Arrêtez, bordel! Au feu! Au feu! Putain, les cons!
débile. Putain, mais il y a encore un départ de feu là-bas, putain. Oh, attends, ça fait chier, quoi. Merci, quoi. Putain, il va pas arrêter. Ça va aller, toi? Mais arrêtez, bordel! Vous foutez le feu, merde! Putain! Ils sont débiles! Ils sont débiles! Arrêtez. Qu'est-ce qu'on est parti? Eh bien, bonne route! On est dans le champ! Débile. Débile.
Ouais, c'est abusé. C'est la paix de fou. C'est lacrymogène d'Alpha Tech et MP7, les CM3 de nouvelle sport. C'est des conneries. Je n'en ai pas. C'est des conneries. Oh. Quelle tristesse quoi. Mais quelle tristesse. Ouais. Okay. Seconde, s'il vous plaît, là, quand même. Hein. Bravo! Pas besoin de pétrole dans la société. C'est bon, comme ça, ça fera bien ou pas? Encore. Vous chantez trop bien! Ils se mettent d'accord, c'est ça le problème. Quand on discute, la démocratie, ça prend du temps. Voilà. Ah, vas-y, j'ai un jambe, tu peux te mettre devant. Et moi, c'est une anecdote qui m'a... Ok, ça temporise. Il y a des signes ok, ça c'est cool. Ça c'est l'ambiance ici, quoi. Tout va bien, on se prépare. C'était un test. Vous êtes tous validés, vous pouvez rester, c'est bon. Ok, c'est bon, il y a eu des signes, on comprend pas bien. On se calera aussi sur les signes.
Ouais, super, ça je connais, ouais. Vas-y, Jean-Jean. Et du coup, moi, c'était une petite anecdote. C'était pour rappeler celles et ceux qui ont vécu la Grande Marche. En fait, on était passé sur le tracé d'ici. Et en fait, on était quelques-uns, quelques-unes à avoir rêvé de ce lieu-là il y a un an. En fait, quasiment jour pour jour, on a capté ça là, il n'y a pas longtemps. Et ça veut dire qu'en fait, il y a un an, on rêvait de ça. Et qu'aujourd'hui, en fait, c'est pris. Voilà, et je voulais juste rappeler qu'on était plusieurs à crier de joie en imaginant ça. Et ça m'a touché de se dire qu'aujourd'hui, c'était là. Voilà. Bon bah du coup, il y a plein de trucs de programme qui sont bouleversés, c'est normal. Du coup, on avait prévu une assemblée des luttes pour qu'on se parle tous de ce qui se passe chez nous, de c'est quoi nos luttes locales et tout ça. À la base, on avait prévu ça sous un chape, mais en fait, on se dit que ça serait hyper bien de la faire ici, puisque bah, y a de la place, vous voyez, il y a assez de place pour qu'on soit tous là. Du coup, on annonce l'assemblée des luttes demain à 10h ici, demain à 10h du matin ici. Essayez de vous réveiller quand même. Et du coup, on se retrouve à 10h demain ici, on parle de cette occupe, on parle de toutes nos luttes locales. Et il y aura aussi une réunion des comités des soulèvements du Sud-Ouest. Ça peut être chouette de venir là si vous êtes dans le Sud-Ouest. Vive la ZAD ! On va faire un premier entraînement pour le Siamo parce qu'on ne sait pas si vous le connaissez très bien. Attention, tout le monde est prêt ? On lève les bras ! Allez ! Siamo tutti anti-fascisti ! Siamo tutti antifascisti! 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 Ok, on a une autre proposition. J'ai tout cassé d'un coup, c'était horrible. Ah ouais, ok, la deuxième proposition, c'est de faire. Et la crémade, elle est à qui? Elle est à nous! Et pour le signe, pour faire un truc stylé, pour tout le monde la même chose, on fait les deux points en l'air. Comme ça, genre bien à fond quoi. Est-ce que tout le monde est prêt? Et la crémade, elle est à qui? Elle est à nous! Et la crémade, elle est à qui? Elle est à nous! À qui? À nous! À qui? À nous! À qui? À qui? À qui? À nous! À nous! À nous! On est pas mal, bravo ouais. Tout le monde! Bon, super, c'est méga, méga émotion de voir tout ça, franchement. Je pense que toutes les personnes du coin qui connaissent ces terres-là sentent vraiment la force que ça représente d'être dans un lieu comme ça aujourd'hui. C'est très très fort. Qu'est-ce qu'il y a? On n'entend pas, c'est pas ma faute. Mettez-vous de face, je sais pas. Non, ça va durer une seconde. Dernier petit point médic. Il y a une personne qui s'est reçu un palais dans la jambe et qui du coup a été évacuée, mais c'est pas trop grave, mais voilà, c'était simplement pour le mentionner et qu'on le sache. Bon, en gros, il y a un concert qui démarre maintenant, deux sons, et ensuite on se retrouve là-bas pour faire la grosse teuf sous le chapiteau. Il est tiembre sous